De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu-leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même discours. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement. Monopoly, cette ville où il n'arrivait jamais rien, où l'on appelait la police que si l'on avait perdu son chien. Il se passe quelque chose à Monopoly. Cette ville nouvelle, cette ville modèle, avec ses souterrains à l'air conditionné et ses buildings de verre qui filtrent la lumière et ses banlieues chauffées à l'énergie solaire, où il n'y a plus d'été, où il n'y a plus d'hiver. Il se passe quelque chose à Monopoly. Cette ville qui semblait faite pour le bonheur des hommes, qui maintenant aussi, à l'heure de la terreur, on ne sort plus le soir à New York ou à Rome. Quand le soleil se couche, tout l'Occident a peur. Il se passe quelque chose à Monopoly. Il se passe quelque chose à Monopoly. Quand le soleil se couche, tout l'Occident a peur. Les étoiles noires descendre sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met feu au building? Toujours les étoiles noires. Alors, c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change autrefois. On n'a pas la virile, mais on fait peur à voir. Les gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Et quand tu vois du sang sur ton arme de rasoir, ça fait comme les lumières dans le brouillard quand on arrive en ville.
on est tranquille. On passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre quand on arrive en ville. Dans la ville souterraine et plongée dans le noir, qui s'y promènent, ressortent sur des brancards. On agit sans envie, ça nous paraît bizarre. C'est vrai qu'on est débile, c'est vrai par des espoirs. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir quand on arrive en ville. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va se tout casser. Si vous allez danser, ne rentrez pas trop tard. De peur qu'on écrase nos gros jaguars. Préparez-vous pour la bagarre. C'est la panique sur les boulevards quand on arrive en depuis la capitale de l'hémisphère occidental. Ici Roger, voici le résumé des nouvelles nationales et internationales. Mesdames, messieurs, bonsoir. À la une de ce soir, encore les étoiles noires. Ce mouvement terroriste vient d'allonger la liste de ses crimes gratuits. En effet, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une centaine de personnes ont bien failli perdre la vie. Quand le système d'aération d'un souterrain d'habitation situé dans la zone industrielle a été déréglé par des mains criminelles. D'autre part, une bande de motards portant au fond une étoile noire et une mitraillette au poing ont attaqué ce matin le métro aérien. Un convoi armé a été appelé dans la capitale par la police locale pour maîtriser ces étoiles noires qui veulent ébranler le pouvoir. En cette période électorale, nous en reparlerons dans notre éditorial. De temps en temps, je baisse le son de la télévision pour écouter un peu les conversations. C'est fou ce qu'on peut entendre, c'est fou ce qu'on peut voir quand on passe sa vie derrière un comptoir. Dans une conférence de presse qui a fait l'effet d'une bombe, l'homme le plus riche du monde, 0 janvier, célèbre constructeur de gratte-ciel, a annoncé sa candidature officielle aux élections qui éliront le président de l'Occident. En tant que chef incontesté du parti pris pour le progrès, 0 janvier s'est engagé à rétablir l'ordre dans la cité. Voici un court échantillon de ses déclarations. Nous bâtirons le nouveau monde atomique où l'homme ne sera plus l'esclave de la nature. Laissons le passé aux nostalgiques. Vivons l'aventure du futur. Si l'on veut éviter de faire que la terre devienne un jour un seul pays totalitaire, l'Occident doit fermer ses frontières à toute influence étrangère. Un autre communiqué qu'on vient de recevoir, signé les Étoiles Noires, a revendiqué l'attentat d'hier soir. Un certain Johnny Rockford serait l'homme fort des Étoiles Noires. Moi, les étoiles noires, je peux vous en parler. On les voit tous les soirs à l'Underground Café. C'est ici qu'ils préparent tous leurs attentats, sous la direction d'une dénommée Sadia.
une révolutionnaire, une fille à papa qui a des idées bien arrêtées. Mais quand on la voit, on ne dirait pas qu'elle sort de l'université. Regardez-la, la voilà, Sadia. Quand je marche dans la rue, j'entends les hommes qui me ruent. Regardez cette femme qu'elle a vue. C'est une femme comme on n'en voit plus. Est-ce une star en déconfiture? Est-ce une étoile du futur? Regardez-moi cette chevelure. Cette chevelure d'un bleu azur. La vraie nature. Vous vendriez votre homme pour dormir dans mes bras. Quitteriez vos femmes pour partir avec moi. M'appelez pas madame, sans savoir qui je suis. Je ne suis pas une femme, je suis un travesti. Travesti de mon corps, travesti de mon âme. Travesti de vos rêves, travesti de vos bras, travesti de vos jours, travesti. Johnny Rockford s'est levé. Elle s'est approchée, elle s'est présentée. Ils sont restés debout au bar. Ils ont parlé très tard. Flashback. J'ai entendu parler de toi et de ta bande de petits copains. Vous faites pas mal de bruit déjà, mais ça pourrait. Janvier, c'est l'ennemi numéro un. Il faut à tout prix l'empêcher de gagner encore du terrain. Moi je fais pas ça pour tes idées. Tu es celui dont
Johnny Rockford. Parce que dans les souterrains, les étoiles ne brillent pas fort. Monsieur Johnny Rockford. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. À partir de ce jour-là, Johnny et Sadia ne se sont plus quittés et les étoiles noires ont fait la une des journaux du soir. Au fond, Johnny n'avait qu'une envie, c'était de faire parler de lui. On peut dire qu'il a réussi, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais moi, je me mêle pas de ce qui me regarde pas. J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on me fiche la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. Mais faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à l'Underground Café. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. Même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'Underground Café. Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller cultiver ses tomates au soleil. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi j'ai envie de rien. J'ai juste envie d'être bien. Je veux pas travailler, juste pour travailler, pour gagner ma vie comme on dit. Je voudrais seulement faire quelque chose que j'aime. Je sais pas ce que j'aime, c'est mon problème. De temps en temps, je gratte ma guitare. C'est tout ce que je sais faire, mes 10 doigts. Oh, j'ai jamais rêvé d'être une star. J'ai seulement envie d'être moi. Ma vie ne me ressemble pas. Je travaille à l'Underground Café. Y a longtemps que j'ai pas vu le soleil. Dans mon univers souterrain, pour moi tous les jours sont pareils. Pour moi la vie ça sert à rien. Je suis comme un néon. Je travaille à l'Underground Café. Un jour vous verrez une serveuse automate s'en aller cultiver ses tomates au soleil. Que je vais faire demain, c'est ce que je me dis tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi j'ai envie de rien, j'ai juste envie d'être bien. Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller cultiver ses tomates. Au soleil.
Et voici maintenant l'émission préférée des jeunes de tout âge, l'émission numéro 1 dans tous les sondages, Starmania, présentée par Cristal, le sourire de Télécapital. Starmania, Starmania. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Starmania, qu'est-ce qu'il a que tu n'as pas toi? Starmania, voulez-vous jouer avec moi au jeu de la Starmania? Écrivez-moi, racontez-moi votre vie, vos envies, et dites-moi qui vous voudriez être et qui aujourd'hui, 0 janvier, le leader du PPPP, qu'elle est allée rencontrer dans ses bureaux de la Tour Dorée, où il lui a exceptionnellement accordé une interview passionnante et passionnée, dont voici les meilleurs moments. 0 janvier, vous êtes un homme d'avenir. Quel conseil avez-vous donc à offrir à tous les jeunes qui rêvent de réussir? Croyez en vous, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Tous les matins, je reçois un courrier immense des jeunes qui me demandent de leur donner leur chance. Regardez-moi, je suis parti de rien. Chacun doit forger son destin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir j'ai devant moi un homme que toutes les femmes voudraient connaître. Pour un instant, 0 janvier, je vous demanderai d'oublier le businessman riche et célèbre. Ma question, vous la connaissez. Si vous n'étiez pas qui vous êtes, dites-moi qui vous voudriez être. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau à Houdin Tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Au moins êtes-vous heureux? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, ce n'est qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis.
j'aurais voulu être un acteur. Comme un millionnaire, vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Oh, 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 oh. C'est de passer dans cette émission. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Et moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie. Il était 4 heures du matin. J'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit, viens prendre un café. Et on s'est raconté nos vies. On a ri, on a pleuré. Ziggy, il s'appelle Ziggy. C'est mon seul ami. Dans sa tête, y a que de la musique. Il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très très gais. Où il a des tas d'amis. Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison. Essayer de l'oublier. Mais Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera pas.
se mien. Les oiseaux, les crapauds, oh, ça me rend paranoïaque. Besoin pour faire ton tour, tu ronds des motos. Le parfum de l'essence, ça me trouble les sens. Quand j'ai mal à la tête, fume une cigarette. Je vais faire mon jogging au milieu des buildings. Les pieds sur le ciment, je suis dans mon élément. Les dimanches, je reste à la maison. Je mange ma solo, je me volume à fond. Je suis content quand j'entends le téléphone qui sonne. La campagne, c'est le bagne, ça manque d'oxyde de carbone. Je suis bien dans ma peau, comme un poisson dans l'eau. Je suis un agent de consommation. Quand j'ai de l'argent, je consomme à fond. Je m'endette, je m'achète tout ce qui me passe par la tête. Je me jette comme une bête sur le dernier gadget. Je vis mon petit train-train de citadin moyen. Je suis bien dans ma peau, comme un poisson dans l'eau. Bravo, 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 c'est un beau numéro. Ziggy, qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'attendais pas. J'avais envie de te montrer la lettre que je vais envoyer pour passer dans Starmania. Qu'est-ce que tu vas leur raconter? Je vais leur raconter ma vie. Est-ce que tu crois que ça suffit, ta vie? Mais ma vie, tu la connais pas. Je voudrais leur dire aussi tout ce que je ne t'ai jamais dit. Moi, j'étais un fils à maman. Tous les soirs en m'endormant, c'est quand tu seras grand. Tu danseras le prince charmant dans la belle au bois dormant. Dans la belle au bois dormant. Tous les samedis après-midi, pendant que les gars du quartier jouaient au football ou au volley, moi je prenais des cours de ballet. C'est pour ça que t'avais pas d'amis. À 15 ans, ma mère m'a donné au cadeau d'anniversaire tout Tchaïkovski dans un coffret. Moi, j'ai couru. Le premier amour de ma vie s'appelait David Bowie. Sa musique a changé ta vie. Moi j'ai changé mon nom pour lui. T'as changé ton nom pour lui. Oh, oh. Je suis parti de chez ma mère. Je suis retourné voir le disquaire. Il m'a engagé comme vendeur. Mais maintenant je sais ce que je veux faire maintenant. Je veux être un batteur. Je veux être un batteur de rock. Je veux être un batteur. Je veux être un batteur de rock. Le premier batteur au monde. Yeah!
un garçon pas comme les autres. Et moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Pour un rocker, Johnny, tu pourrais lui montrer ce que c'est qu'un vrai rocker. Tu pourrais lui montrer, tu t'appelles Johnny Rockford. Les concours d'un matin, moi c'est pas mon fort. Moi je trouve que celui des deux qui doit passer à Starmania, c'est pas toi Ziggy, c'est plutôt Johnny. D'ailleurs ça me donne une idée, je vais téléphoner à Télécapital et demander Cristal. En me faisant passer pour une amie à elle que j'ai connue déjà dans une vie parallèle, je vais lui proposer une interview en exclusivité avec Johnny Rockford à l'Underground Café. Bloc souterrain 30, corridor B, c'est le scoop de sa vie, elle peut pas passer à côté. Pour un scoop, c'est un scoop si tu dis la vérité. Pour un scoop, c'est un scoop si tu dis la vérité. Trois jours plus tard, vous auriez dû voir arriver Cristal. Quand Johnny Rockford l'a aperçu, c'était fatal. Sadia n'existait plus. C'était fatal, Sadia n'existe plus. Moteur. Mesdames, messieurs, j'ai devant moi ce soir Johnny Rockford, le chef des étoiles noires, qui pour des raisons ne nous montrera pas son vrai visage. Johnny Rockford, on parle de vous partout. Et Johnny Rockford, qui êtes-vous, d'où venez-vous? Quel est le véritable personnage dissimulé derrière ce maquillage? Johnny Rockford, voulez-vous être une star? Et Johnny Rockford, pourquoi les étoiles noires? Votre philosophie terroriste est-elle naturiste ou futuriste? Moi je me fous de la politique. J'ai jamais lu un journal et je m'en porte pas plus mal. Johnny Rockford, vous, un enfant du chômage. Johnny Rockford, que pensez-vous du mariage? Mais qu'est-ce que vous aimez en musique? Quel est votre signe astrologique? Je m'appelle Johnny Rockford. Je suis né dans la banlieue du Nord. J'ai grandi sur les trottoirs. J'ai pas choisi d'être un zonard. Ma mère est devenue folle parce que mon père buvait trop. J'ai quitté l'école et j'ai pris le premier métro. Sans froid ni loi, je veux vivre et mourir sans feu ni lieu. Je pars rentrer dormir dans ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Y'a plus d'avenir sur la terre. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va faire? J'ai jamais travaillé, mais je me suis bien débrouillé. Un jour je me suis retrouvé à l'Underground Café. C'est là que
j'ai rencontré tous mes amis d'aujourd'hui. Quand je sais pas où coucher, c'est là que je passe mes nuits. Sans foi ni loi, je veux vivre et mourir sans feu. Tracteurs s'étaient rassemblés aujourd'hui dans le grand stade municipal pour écouter 0 janvier dévoiler son programme et électoral. Nous imposerons le retour à l'ordre. Si on ne peut pas vivre dans la concorde, nous mettrons la capitale sous la loi martiale. Jean-Pierre, président de l'Occident. En ce qui concerne la pénurie d'énergie, vous connaissez déjà ma stratégie. Quand nous aurons vidé le fond des mers, nous serons prêts à vivre ailleurs que sur Terre. Notre prochaine capitale sera une...
spatial. Jean-Pierre, président de l'Occident. Ce sont de nos ruinés pour le tiers-monde qui nous remerciera bientôt avec des bombes. Assurons d'abord notre survivance. Je suis pour l'Occident, l'homme de la dernière chance. Je suis pour l'Occident, l'homme de la dernière chance. Nous bâtirons le nouveau monde atomique, où l'homme ne sera plus l'esclave de la nature. Laissons le passé aux nostalgiques, vivons l'aventure du futur. Mesdames, messieurs, nous interrompons le cours normal de nos émissions. Un bulletin spécial nous apprend que Crystal, le sourire de Télécapital, a été kidnappée au cours de la bagarre où elle s'était aventurée avec sa caméra à neutrons pour tenter de filmer les étoiles noires en pleine action. Vous voyez bien qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte à la télé. Si vous voulez savoir le fond de ma pensée, je ne crois pas qu'elle ait été enlevée par Johnny. Moi, je pense plutôt qu'elle s'est enfuie. Avec lui. Il n'y a plus d'avenir sur la terre. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le système solaire. Y a-t-il quelqu'un dans l'univers qui puisse répondre à nos questions, à nos prières, à nos prières. Qui nous dira ce qu'on fait là dans ce monde qui ne nous ressemble pas? Qui nous dira ce qu'on fait là dans ce monde qui ne nous ressemble pas? De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu-leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même disco. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes. Les mêmes charters pour aller où le ciel est bleu quand on ne saura plus où trouver le soleil. Alors on partira pour Mars ou Jupiter. Tout le monde a la queue leu-leu dans les villes de l'an 2000. La vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an. Monopoly.
sera de notre temps. Sur un banc, seul au milieu de Monopoly. Dans toute la ville, ici c'est devenu bien tranquille. Personne n'ose plus mettre les pieds à l'Underground Café. Et moi je lis des magazines où l'on voit la vie en rose, où l'on roule en limousine et on meurt d'overdose. La Christ et la Spotlight sur la mélodie vive. Les boucliers de la cause féminine qui risquaient de faire d'elle une passionnariat a décidé d'abandonner le cinéma après avoir tourné ce film tant attendu, où pour la première fois on la verra pas nue. Ce film qui s'intitule Boulevard du Crépuscule. Décidément, elle ne craint pas le ridicule. Ce film est un remake du célèbre classique dont elle adaptera le scénario à son histoire. Ensuite, elle se retirera dans sa villa sous les tropiques pour écrire ses mémoires. J'étais votre idole, mais je n'ai plus l'âge de mon image. Il faudrait que je convole avec un prince du pétrole. J'ai déjà l'âge de tourner la page. Un jour je dirai bye bye à tout ce show business, à tout ce stress, à tout ce stress. Bye bye ma jeunesse, on venait voir mourir le dernier sex-symbole. Venez tous applaudir à la fin d'une idole. J'ai passé ma vie à ne rien faire que ce qu'on m'a. J'ai passé ma vie à étouffer mes rêves, mes envies. Oh oui. Quand je sors dans la rue sans maquillage, personne ne s'arrête sur mon passage. Même ceux qui rêvent de moi la nuit dans leur lit. Voyez que la surface de ce monde en technicolor. Vous qui rêvez d'être à ma place, venez voir l'envers du décor. Moi ma drogue c'est l'alcool, je suis la vieille école. Quand je fume du hache, ça me donne pas de flash. J'ai peur de devenir folle. Toutes les nuits, je rêve qu'on me viole.
image divine qu'on adore et qu'on adule, une image de magazine sur qui on éjacule. Seul sur mon acrobole, je sens que je sont venus voir mourir le dernier sex-symbole. Venez voir, venez rire à la fin d'une idole. J'ai raté ma vie, je ne veux pas rater ma sortie. J'ai raté ma vie, je ne veux pas rater ma goodbye party. Goodbye party. Devant les caméras du monde entier, je descendrai le grand escalier qui mène au fond de ma piscine dorée. Laissez-moi, laissez-moi partir. Laissez-moi, laissez-moi mourir avant de vivre. Vous qui m'avez volé ma vie, venez vous arracher ma mort. Laissez-moi, laissez-moi partir. Laissez-moi, laissez-moi mourir avant. Je vous embrasse, je n'étais qu'un météore. Voulez-vous voir la mort en face? Elle s'habille en technicolor. Bien m'envoyer cette gerbe d'orchidée accompagnée d'un télégramme, et c'est signé 0 janvier. Permettez-moi, madame, de vous importuner. C'est avec émotion que j'ai appris votre intention d'abandonner votre carrière pourtant spectaculaire. Laissez-moi vous rappeler ce que vous avez été pour tous les hommes de ma génération. Quand nous étions au front pour sauver la nation. Déesse de l'amour, déesse de la guerre, j'avais votre photo sur moi comme une relique. Vous qui avez guidé ma carrière militaire, voulez-vous présider ma carrière politique? Symbole de nos valeurs et de nos libertés, me ferez-vous l'honneur d'aller à mes côtés? Me ferez-vous l'honneur d'aller à mes côtés? Thank you.
Pour célébrer les adieux de la divine, le 12e art avait rendez-vous hier soir à la première de son dernier film, grande soirée de gala qui avait lieu au Monopolis Opéra. Stella Spotlight a fait sensation en arrivant à la projection, accompagné de Zéro Janvier, le célibataire le plus convoité de l'actualité. De notre ami Crystal qui, on se le rappelle, a été kidnappé il y a un mois, du moins, c'est ce qu'on croit, par les étoiles noires. J'ai pas vu Johnny ni Sadia depuis ce fameux jour-là. Il paraît qu'il se cache quelque part dans un vieux hangar. Ils peuvent difficilement se montrer avec leur petite amie Crystal, qui doit encore nous préparer un joli scandale. Un joli scandale. Maintenant, ma petite, il va falloir revendiquer ton enlèvement. Je vais rédiger dès ce soir un communiqué détonnant. Je crois que ce serait plus fort d'envoyer à la télé message qu'on filmerait, où je crierais au monde entier, au secours, j'ai besoin d'amour, au secours, j'ai besoin d'amour. Moi je dis que c'est elle qui a raison, laissons le faire à sa façon. C'est là qu'on voit que le petit garçon bien appris sa leçon. Ok, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prends les décisions. Oui, mais si moi j'ai pas envie de jouer les seconds violons, alors personne ne te retient, tu fais ce que tu veux. Johnny, je te préviens, tu joues avec le feu. Mon regard comme un rayon laser. J'ai été projeté quelque part ailleurs que sur la terre. Au secours, j'ai besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour. Comme la terre a besoin du soleil, j'ai besoin de musique, besoin d'amour. Comme j'ai besoin de lumière, besoin d'amour. Comme j'ai besoin d'eau, comme j'ai besoin d'air, besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai
Pour le moins inusité, voici donc, tel que prévu, l'interview tant attendue de 0 janvier. Oh là là, je peux pas manquer ça, ça vaut la peine que je m'assoie. Ça va barder là. Ici pour l'interroger, votre ami Roger Roger. Qu'avez-vous de neuf à déclarer, monsieur 0 janvier? Aïe, 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 aïe. Nous bâtirons le nouveau monde atomique où l'homme ne sera plus l'esclave de la nature. Mais ne craignez-vous pas que votre politique ne mène directement à la dictature? Un peu de courtoisie, je vous prie, je suis votre invité. Je ne suis pas venu ici pour me faire insulter. Vous n'allez pas vous contenter de nous chanter votre slogan? Quelles sont les priorités de votre gouvernement? Je vous parle d'un monde à réinventer. Un monde où il ferait bon d'exister. Où notre priorité serait d'assurer notre sécurité. Parlez-vous d'instaurer un état policier? Enfin, monsieur, voulez-vous m'écouter? Mais que comptez-vous faire contre la pauvreté? Je vous parle d'opter pour notre liberté. Je vous parle d'un monde où tout ne serait plus qu'ordre et beauté, luxe, calme et propreté. Au secours, j'ai besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour. Nous regrettons, mesdames, messieurs, cet incident malencontreux, mais... Comment ça peut-il arriver? C'est du sabotage organisé. Au secours, j'ai besoin d'amour. Ce message de cristal nous a été transmis par des ondes spatiales dont l'usage est interdit. Décidément, cette Starmania, ça vous fait faire n'importe quoi. Je vous l'avais bien dit que Cristal nous préparait son petit scandale. Quand à celle-là, je vous dis que celle-là, elle est vraiment tombée bien bas. Si vous voulez un homme nouveau, c'est rosser l'âme qu'il vous faut. Carrière. Mais
Est devenue une héroïne populaire depuis qu'on a reçu cette photo spectaculaire où on la voit avec Johnny Rockford en costume d'étoile noire. Ce poster est partout en milliers d'exemplaires. Il faut qu'on fasse un coup d'éclat. Depuis que je suis avec toi, j'ai l'impression que tu recules. J'ai crié dans tous les médias que je partageais ton combat. Je ne veux pas être ridicule. Toute ma vie j'ai rêvé d'avoir quelqu'un à aimer. J'ai peur pour toi, tu sais. On pourrait s'en aller et tout recommencer. J'ai tout quitté pour toi. Ne me fais pas douter de moi. C'est trop tard, on n'a plus le choix. Il faut qu'on fasse un coup d'éclat. J'ai pensé qu'on pourrait supermarché pour offrir à tout le monde une entrecôte flambée. J'ai une meilleure idée. Si on faisait sauter la tour dorée de 0 janvier, on les ferait tous danser au milieu du brasier. On nous prend pour des fous. J'oublierai qui j'étais. Tout sera dans la loi. Si je t'enchaîne à moi, tu aimeras tes chats. Je m'accrocherai à toi comme le lierre à un chien. Moi, des souterrains de la terre. Avec nous, puisqu'il s'oublie.
Ziggy, qu'est-ce que je ferais sans lui? Il est toute ma vie. Il arrive toujours à minuit. Quand je l'attends, j'ai peur pour lui. Je me demande ce qu'il fait, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Ah, te voilà, j'étais inquiète. Prends ton café et je suis prête. Marie-Jeanne, je regrette. Ce soir, on n'ira pas danser. Je suis venu t'annoncer quelque chose qui va te faire de la peine, je suppose. Je ne viendrai plus te chercher tous les soirs pour aller danser. Je suis venu t'annoncer que je pars. Nos planètes se séparent. Ziggy, t'es mon seul ami. Tu sais, j'ai revu ça il y a quelques fois. Elle m'a fait engager comme disjockey au Nadiland, la discothèque de 0 janvier. Qu'est-ce que Sadia vient faire dans cette histoire? Elle a des amis au pouvoir. Alors, elle a laissé tomber les étoiles noires. Tu veux savoir la vérité, Sadia travaille pour 0 janvier. Ziggy, tu me fais marcher, dis-moi que c'est pas vrai. Thank you.
console. On se comprend, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul. Stella Spotlight vient d'annoncer son mariage avec Zéro Janvier, qui sera célébré dans l'intimité en la cathédrale Notre-Dame des Armées. Le soir, il y aura une réception géante au Naziland, la nouvelle discothèque tournante située au sommet de la tour dorée du complexe commercial Zéro Janvier. Le soleil brille au Naziland. Je peux vous dire ce qu'ils vous préparent. Ne soyez pas surpris de les voir parmi vos invités ce soir. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Toutes les entrées sont bien gardées. Ils sont en train de mettre une bombe juste au-dessous de vos pieds. Vous feriez mieux de vérifier avant qu'ils ne puissent s'échapper. Ils n'en sortiront pas vivants si on arrive à temps. Le soleil brille au Naziland. De 100 étages à cause de Howard et Mahé au 121ème étage. Autour de nous ils tombent des bombes. Plus besoin
s'en fout. Ce soir on danse. Ce soir.
Dans un instant, nous connaîtrons le résultat des élections. Dans 3 minutes exactement, nous vous révélerons le nom du président de l'Occident. Les candidats étaient nombreux, mais l'un d'entre eux a retenu toute l'attention par ses prises de position. C'est ce soir que nous saurons si, oui ou non, le peuple est avec lui, comme les sondages nous l'ont prédit. La mort brutale de Cristal et l'arrestation de Johnny Roquefort ont donné à 0 janvier une réputation d'homme fort qui pourrait lui valoir une éclatante victoire. Mesdames, Messieurs, il est 20h. Vous voyez le vainqueur apparaître sur vos écrans. 0 janvier est président de l'Occident. Nous l'apercevons au balcon du comité du PPPP. Stella Spotlight vient d'arriver à ses côtés où elle s'apprête à faire une déclaration. Stella Spotlight, nous vous écoutons. À moi l'honneur de proclamer la victoire de 0 janvier, l'homme qui est à mes côtés. Mesdames, messieurs, vous ne voudrez pas y croire, mais après tout, c'est vous qui avez voté. Telle est la volonté de la majorité. Ou bien regardez-moi m'accrocher au pouvoir. Voyez où peut mener le désir d'être une star. Tu seras ma victoire, je serai ton pouvoir. 0 janvier, président de l'Occident. 0 janvier, président de l'Occident. À quoi ça sert de vouloir monter si haut? À quoi ça sert de vouloir être si beau? S'il ne reste plus rien, quand vient la fin du show, que la chaleur d'un spotlight sur la peau. L'univers est un star système. La terre est une poussière d'étoiles. La lune sera mon diadème pour mes noces grands sidérales. La voie lactée sera mon voile nuptial, ma robe de mariée, une aurore. J'ai rêvé d'être immortellement belle. Ce soir j'irai voir à travers le miroir si la vie est éternelle. J'en ai voulu être un artiste pour pouvoir faire.
sur l'asphalte et me laisser mourir. Stop, le monde est stop. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma. C'est mon cinéma. Je cherche le soleil au milieu de ma nuit. Me débat.